Hello, donc là je viens de partir de chez le pote de mon copain. Enfin, il y a mon copain qui est juste devant. En fait, il m'a piqué mon gratte-gratte parce qu'il en a pas et que c'était gelé. Moi, c'était pas trop gelé parce que la voiture était plus au soleil. Donc voilà, aujourd'hui il fait super beau. Enfin, pour l'instant, il fait super froid. Mais en tout cas, il y a du soleil et tout. J'ai dû ressortir les lunettes du soleil à presque 10h du matin quand même. Donc là, je vais aller à la poste. Je pense que c'est ouvert à cette heure-là quand même. J'ai même pas vérifié, mais bon, de toute façon, c'est à peu près sur ma route. Hein. Enfin, il y a plusieurs postes dans Besançon, mais voilà. Pour poster les premiers colis, enfin, les premiers, non, les premiers sont déjà postés. Pour poster, je crois que c'est à partir du numéro 5 jusqu'au je sais pas combien, mais j'en ai vraiment beaucoup. J'espère que ça va aller assez vite parce que sinon je vais passer ma vie à la poste. Et puis je vais à la poste à Besançon et pas celle vers chez moi, parce que celle vers chez moi en fait on doit tout faire à la main. Enfin, quoique écrire à la main ça va peut-être des fois plus vite que d'écrire à la machine, parce que bon. Mais à la machine je crois qu'on peut enregistrer une autre adresse à nous, parce qu'à chaque fois il faut que je retape mon adresse et tout quand je fais un truc un peu colissimo là. Enfin bon, je mets pas mon adresse à moi, je mets mon adresse de ma boîte postale à chaque fois, parce que j'ai pas envie de mettre mon adresse partout. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, je ne sais plus. Si, j'ai eu des cadeaux de Noël hier du coup. Petit cadeau par la mamie de mon copain. Je ne pense pas qu'elle regardera cette vidéo, mais merci quand même. Parce que je sais qu'il y a une de ses tatas qui a regardé ma vidéo sur mes cadeaux de Noël, elle savait tout ce que j'avais. Donc voili voilou, j'ai rien d'autre de fou à raconter. Lou n'est pas chez moi normalement quand elle rentre, elle est déjà chez des potes pour Nouvel An, etc. Moi j'ai un tournage de vidéo que j'avais complètement zappé, que je dois envoyer avant le 31. Nous sommes le 29 et voilà, du coup j'avais un peu zappé. Bon, j'ai réfléchi à pas mal de petites choses, mais en fait quand on réfléchit à une vidéo, quand on écrit une vidéo, ça rend jamais comme... comme on l'a réfléchi exactement. Enfin, ça rendra pas comme je le pense, je le sais. Surtout que là du coup bah, je vais devoir me débrouiller solo pour filmer. Donc voilà, je vous laisse. Ouh, je suis dans le noir. Et bah, je vous fais des bisous. Enfin, de toute façon j'ai presque plus de batterie, donc on se retrouve à la maison. Hop, les colis sont déposés. Par contre je pense que ça va me revenir très très cher, parce que je faisais un par un, donc je me rends pas compte de la somme. Mais un petit colis normal 4,90, j'ai pu en passer deux en lettres, donc c'était 2,80, et sinon il y en avait bah, 6,90 les plus lourds. Par contre il y en a un que j'ai pas envoyé, celui pour le Canada, parce que à la machine j'ai essayé deux trucs différents d'envoi et ça me mettait 77 € ou 80 €. Donc j'irai voir à ma petite poste quand il va me le faire et tout, mais si c'est ça, je peux pas envoyer, c'est des tout petits trucs dedans, je peux pas me permettre de payer autant pour envoyer des petits cadeaux comme ça quoi. C'est pas possible, mais j'ai trouvé ça extrêmement bizarre, coolissimo, que ça coûte aussi cher. Enfin bref, du coup j'ai tous les petits trucs là, pfiouf, trop de colis, donc ils partiront aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message quand vous aurez reçu vos colis. Sur ce, moi je vais rentrer chez moi, parce que du coup là j'ai passé je ne sais combien de temps à la poste à tout écrire et tout, c'était très long. Je vous retrouve tout à l'heure. Yo, yo, ça yo, fait longtemps que t'as pas été dans les vlogs, non? Qu'est-ce qu'elle fait? Yo yo. Jojo en habit. Donc là je suis rentrée chez moi. Arrête. Tu fais pas le signe de Jules, ça me va. Donc j'ai reçu... Arrête. Il est où le truc que tu m'as ramassé? Je l'ai posé là. Bah non. Non, je l'ai posé là-bas. Bah remets-le moi. Donc j'ai reçu ma... Donc j'avais commandé deux jeux, je vous l'avais dit. Donc j'avais commandé le Animal Crossing Welcome Amiibo, donc le New Leaf. Et Tomodachi Life. Et un pinceau. Ensuite je me suis commandé un calendrier personnalisable là sur Cheers. Donc avec des photos, tout ça. Je vous mettrai, j'ai un petit code promo. Et ensuite sur Octoly je me suis pris un kit Kat Von D. Quand j'ai vu ça j'étais là, oh my god, je le prends. Donc j'ai pris la palette shade, enfin on va dire en français, palette de contour du visage. Elle s'appelle comment? Shade Light. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir et vous montrer. Et dedans il y avait aussi donc un pinceau
pour le teint. Non mais regardez, monsieur le pinceau a sa petite boîte. Donc hop, le petit pinceau dans sa petite boîte. Monsieur. Donc c'est celui-ci là. Voilà. Il y a la palette et il y a un rouge à lèvres. Donc là, la palette, donc en fait vous avez tout ça. Et vous avez même des petites explications. Donc la voici. Je m'attendais vraiment plus à un highlight. En fait c'est des highlights mais un peu complètement mat en fait, qui vont pas trop briller, mais c'est pour faire du coup le contour. C'est pas trop pour highlighter, on va dire. Et le rouge à lèvres, c'est celui-ci. Donc c'est le... Comment tu t'appelles, mon gars? Exorcisme. Si ça veut bien faire net un jour, peut-être. Donc voilà, il a l'air hyper joli. J'ai trop hâte de l'utiliser. Et là, on va tester. On teste quoi d'abord? Ça. On a déjà testé sur le... Ouais, ok, on va mettre ça et ensuite le meilleur pour la fin. Ouais, et dans le truc Cheers, il y avait un petit cerf. C'est beaucoup trop mignon ça. Oh, mais oui, mais moi j'en ai donné deux au Père Noël. Le Père Noël pourrait me les redonner, je les aime bien. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai eu à Noël chez la mamie de mon copain. Donc j'ai eu ça, donc avec un petit carnet, mince de ce sens. Un petit carnet et une petite tasse, c'est trop joli, regardez. Chez mamie Josette. Et là, donc en fait il y a un petit socle avec des petits cailloux et des petites bougies, je trouve ça trop mignon. Enfin des petits chocolats. Et des petits chocolats. Bon du coup pour la collection Kat Von D, elle sera sur le Sephora.fr à partir du 18 janvier et au Sephora des Champs-Élysées et sinon dans tous les Sephora à partir du 28 janvier. J'ai trop hâte de tester. Et on joue à Tomodachi Life. Et là il y a un Joy Phoenix. Je suis joie, donc voilà, on jouait à Animal Crossing à la DS avec Lily et tout, moi je faisais autre chose en même temps, donc là elle faisait un peu toute seule. Puis elle me dit voilà, éteins, je lui dis bah quoi? Elle me dit éteins la DS, et là je lui dis t'as sauvegardé? Oh bah tu m'avais dit que ça sauvegardait tout seul, donc génial. Ça c'est le truc qui me saoule, ou genre quand avant quand je jouais tout le temps à la DS et qu'elle s'éteignait parce que plus de batterie. En fait c'est jouer pour rien quoi, passer du temps pour rien faire, enfin... Voilà, ça m'a saoulée. Du coup, elle est partie sans rien dire en boudant un peu. Je crois qu'elle allait pleurer, mais non. Est-ce que dans celui-ci, il y a la taupe quand tu sauvegardes pas? J'en ai aucune idée. Du coup, je sais pas si ça avait sauvegardé un petit peu. Je sais pas du tout parce qu'il y a des... Quand on fait quelques modifications, ça sauvegarde tout seul. Donc, on va voir où j'en étais. J'en suis dégoûtée. Génial, merci Lily, je déteste cette taupe. Bon ça va, je lui ai dit Resetti là que j'avais plus de batterie. Mito. Salut madame qui sait pas sauvegarder la DS. Va-t'en. Allez on va manger. Va-t'en. Ça sent le poisson. Poignée. Allez on descend. Bon et pour ceux qui ont suivi les vlogs d'avant, moi je viens de finir de manger aussi, on s'en fout, bref. Donc on a un petit frère, César, qui s'appelle. Mais vous l'avez peut-être déjà vu. Vraiment elle va te faire coucou et puis bah oui, elle va faire coucou, elle m'a dit petit César. Enfin grand César, enfin, grand. Bah petit pas. César pour l'instant. Il pas de ça, c'est l'enfant, c'est le petit César, puis ça va être l'empereur. L'empereur des champs, bien sûr. L'empereur César. Donc voilà, petit César, notre petit frère. Le sixième membre de la famille. Et en dessert, yaourt nature avec des petits copeaux de chocolat noir. Mais j'ai les joues rouges. Pourtant j'ai pas chaud mais... Bon, je sais plus si je vous ai déjà dit que j'avais pas réussi à me connecter sur internet avec la DS. En fait c'est parce qu'elle est en WPA notre box et qu'il faut mettre en WEP. Du coup c'est l'ordi de ma maman qui est branché à la box. Je mets mon petit gilet parce que dans le bureau où il y a son ordi, ça... Caille de fou, donc voilà, je vais faire ça comme ça, je vais pouvoir connecter ma DS, avoir un code ami, etc. Je sais pas encore si je vais le partager.
On verra. Hop, je l'ai fait. Donc là, faut juste que... Bah, en fait, j'ai dû éteindre la box et la redémarrer. Donc, on va attendre que ça se rallume. J'ai gardé mon collier en dessous. J'ai l'impression que ça m'étrangle. Bref, j'espère que ça va marcher du coup. Mais normalement, oui. Ah, Wi-Fi. Mais du coup, on a dû changer le code et tout. Donc, faut que je retape tout le code. Bon, j'ai à peu près réussi. Sauf que ça ne marche pas. Enfin, j'ai réussi à connecter. Ça me met que c'est bon, mais ça ne met que... Ça marche à quoi, je suis hors connexion. Et j'ai oublié le petit truc, c'est que je suis obligée aussi de reconnecter mon Chromecast. Voilà. Donc, faut que je re-télécharge l'application Google Home et tout. Puis j'arrivais pas à connecter mon ordi, ça voulait pas, enfin bref. Franchement les problèmes d'ordinateur, ça... trucs informatiques, etc. Ça perd tellement de temps, ça prend tellement la tête. Heureusement que je m'y connais à peu près parce que... Sinon, on ne serait pas rendu. Bon sinon il y en a quelques-unes qui nous ont demandé du coup... pourquoi est-ce qu'on faisait pas hiberner la tortue? Bah faut savoir que les tortues, bah là du coup... si elle hibernait, elle était... J'avais plus de batterie. Ça m'a coupé donc oui. Bah on est en décembre donc elle serait déjà dans sa période d'hibernation et comme bah en fait c'est Lily qui l'a eu à Noël, bah du coup en fait on l'a laissé, enfin on la laisse vivre et bah je sais que ma mamie elle a une tortue et que en fait bah elle l'a jamais forcé, enfin fait l'hibernation d'elle-même quoi, je sais pas comment expliquer, mais elle a jamais contrôlé voilà son hibernation et la tortue en fait elle va un peu, enfin on voit très bien que l'hiver elle se ralentit toute seule et qu'il n'y a pas à la forcer à faire quelque chose ou quoi. Donc voilà, là, enfin, la tortue, je dis toujours elle, mais en fait c'est il, parce que c'est un garçon, je crois. Bah du coup, en fait, il dort beaucoup et il mange pas trop. Donc là, j'ai pu filmer quand on lui a... Enfin, quand il mangeait tout à l'heure. Mais sinon, c'est rare, quoi. Il mange pas grand-chose. Enfin, il y a plein de trucs dans son terrarium et il mange que dalle. Donc voilà. La tortue mamie, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc là, il dort beaucoup. Tout à l'heure, il a mangé, mais voilà. Du coup j'avais regardé un petit peu sur internet ouais, qu'on pouvait les forcer à hiberner. Voilà, faire comme ils disent une hibernation artificielle. Donc ils disent c'est pour celles qui vivent en terrarium mais c'est pas obligatoire quoi. Ils se mettent dans un endroit frais, isolé, tout ça. Bref, en plus c'est là la tortue qu'on a du coup elle a 1 an et demi. Donc elle est encore petite quand même. Mais bref. Après je m'y connais pas de ouf, hein. Faut savoir que les animaux et moi je m'y connais pas trop, mais du coup j'ai essayé du coup de me renseigner un petit peu. Mais ils disent genre de lui donner à manger et de pas lui donner à manger pendant 10 jours, genre je sais pas, moi ça me ferait bizarre de pas donner à manger pendant 10 jours, genre j'aurais trop peur de la faire mourir ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y en a beaucoup qui ont demandé, non ça s'achète pas, enfin ça dépend quelles espèces. Mais vous trouverez rarement des tortues de terre en animalerie parce que c'est des espèces protégées. Et donc c'est à dire que c'est illégal de les ramener dans un autre pays ou quoi etc. Et qu'en France, vous pouvez en acheter à des particuliers etc. Il y en a qui ont des certificats. Parce que j'ai lu aussi que si vous avez plus de 6 tortues, il faut un certificat spécial. Donc c'est pour les tortues Hermann que je parle. C'est quoi qu'ils disent? Ouais. Il faut être capacitaire, il faut avoir un certificat de capacité si vous avez plus de 6 tortues, etc. Donc voilà, c'est assez protégé parce que bah, c'est une espèce protégée, voilà. Il faut pas faire n'importe quoi, voilà. Mais souvent en animalerie, c'est plutôt des tortues d'eau. Bref, faut que je tourne une vidéo, je sais pas comment c'est. Et j'avais mal compris, il fallait que je l'envoie aujourd'hui. Pour vérifier parce que c'est une vidéo avec un placement dedans et voilà, mais en fait j'ai un peu la flemme de maquiller. En même temps elle va être peut-être drôle je pense ma vidéo, mais je sais pas, faut que je me bouge. Je pense que je vais manger un petit truc, je sais que j'ai mangé à 14h, mais je vais manger un petit goûter, ça va me rebooster et hop je tourne une vidéo. Comme j'ai dit, Lou ma soeur n'est point là, elle est chez des potes jusqu'au nouvel an, donc et Lily et mes parents sont allés chez le parrain de Lily. Enfin, un petit goûter de Noël, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah c'est tout. Bon, là, je viens de descendre et je vais vous montrer. Donc, quand je suis rentrée tout à l'heure, il était quoi? 11h. Et donc, il dormait. On va l'appeler César parce que c'est son nom. Il dormait. Ensuite, il s'est réveillé. Il a mangé un tout petit peu. Et là, direct, il redort, quoi. Et en fait, il kiffe se cacher sous ses petites feuilles.
Genre à chaque fois moi j'arrive, je suis là, il est où et tout. Je cherche et monsieur se cache là et dort. Voilà, il a aussi une lampe mais du coup on lui allume pas. Enfin en ce moment je pense qu'il en a pas trop besoin. Parce que quand on lui allume, eh ben, il dormait à l'ombre de sa cabane. Donc voilà, je pense qu'il fait une mini hibernation. Enfin pas une mini hibernation mais il dort beaucoup quoi. Il dort pas toute la journée mais la plupart du temps en ce moment quoi. Donc voilà, monsieur fait dodo, on va pas le réveiller. Donc voilà, il dort, je suis désolée, je vais être dans le noir parce que là, les volets sont fermés. Je vais allumer ça. Et ouh, il reste une petite brioche. C'est intéressant ça. En tout cas, s'il y en a qui ont des tertues, oui, bien sûr, des tortues de terre et qui... Ah, c'est un nouveau Nutella, j'arrive pas à l'ouvrir. Des tortues de terre qui auraient, je sais pas, des conseils ou des infos à nous donner, bah n'hésitez pas. Après, comme je l'ai dit, ma mamie a une tortue aussi, donc ça va. Je la connais depuis un petit moment, sa tortue. Mais voilà, si jamais vous avez des petits conseils, des petits trucs, n'hésitez pas. Hein. Je ne veux pas de critiques, par contre, parce qu'il y a, c'est un truc qui m'énerve, ça. C'est quand les gens ont des animaux et que, ou des enfants et que les autres critiquent leur éducation. Bon, après, une tortue, franchement, l'éducation de la tortue, c'est pas... c'est pas grave si c'était un chien ou un chat quoi, mais voilà. Bon, je vais faire mon petit goûter parce qu'il se fait faim. Bon, je suis allée sur mon Snapchat de YouTube et j'ai lancé un petit appel à l'aide pour me connecter. Et je pense qu'en fait j'allais sur le mauvais truc et là je vais tester, mais je crois que c'en est pas mal. Le téléphone sonne qui me dérange pendant que je fais mon truc avec ma DS. C'est 1h05, je ne réponds pas. Hein. Bah les steaks, moi j'en ai marre de ces pubs qui me font courir pour rien. C'est chiant les téléphones fixes en fait. Et donc pour le code ami, donc ce qu'on m'a dit c'est que du coup si comment, si je vous ajoute pas vous, en fait ça vous sert à rien, donc je vais pas le faire. Et en plus on peut avoir que 100 amis, donc bah en fait je partage une fois mon code et en 5 minutes bah j'ai plus de place, donc voilà, tant que je garde pour mes vrais potes. Donc voilà, I'm sorry mais du coup je suis désolée pour cette couleur bleue, c'est mon ordi qui est devant moi. Je voulais répondre juste à quelques questions. Alors il y avait une question qu'on m'avait demandé, mes cadeaux de Noël, je les ai montrés en vidéo sur ma chaîne principale. J'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense. Et il y avait un autre truc, c'était quoi? Oui, on m'avait demandé aussi, parce qu'il y en a beaucoup en fait, ça me fait rire, parce qu'ils pensent que du coup j'ai que je fais moins avec mon âge et... ils sont choqués en fait que je déménage, ils pensent que je déménage avec mes parents, etc. Non, je prends un appartement avec mon copain. Voilà, parce que je vais quand même avoir 20 ans dans 3 mois tout pile. J'ai 20 ans les gars. Et oui. Franchement, ils sont pas cool là. Ils nous mettent des démos. Genre là, il y a démo Pokémon Soleil et Lune. En plus, j'ai envie d'acheter. Je vous jure qu'ils sont pas cool avec leurs démos. Après, ça me donne envie d'acheter plein de trucs. Bon bah je viens du coup de monter ma vidéo, la filmer, etc. Je suis un peu déçue de moi dans le sens où c'était bah absolument pas du tout la vidéo. Enfin c'était pas du tout comme ça que je voulais que ça rende, mais au final mais en fait ce que je voulais faire ça demandait beaucoup trop de temps, etc. Donc c'était pas trop possible. Ouf, je sais pas quoi faire là. Je vais faire mes fiches. Je vois la DS. Ranger. Mais ranger, je passe ma vie à trier. Mais bon, en même temps, c'est ça va être des choses utiles là que je trie. Enfin, tous les cartons que j'ai fait, ce sera déjà tout ça de moi à faire. Donc, je m'avance, je m'avance. Du coup, je m'étais maquillée en mode vite fait, genre en 5 minutes au chrono. Hein. Et mon rouge à lèvres, c'est le... je crois que c'est le Twig de chez MAC. D'ailleurs, j'ai fait une commande sur MAC Cosmétiques parce que... ils font jamais de sol. Et là il y avait moins 15% sur leur site. Du coup je me suis pris un highlighter. Trop beau. J'ai eu un bug de... j'ai voulu pas le faire en même temps mais ça marche. Montre. C'est toi qui l'as fait? Mais avec papa. C'est avec quoi comme truc? Montre. C'est en plastique? Ouais. Ah et tu peux les enlever et tout? Ouais. Mais là je vais faire le plus direct. Papa. Ça c'était pour tester. C'est ce que t'as eu à Noël? Ouais, chez Clara et Louis. Cool. Bon, en dessert, du coup, je mange la bûche qu'ils ont mangée.
pour le goûter. C'est délicieux. Je préfère largement ça qu'une bûche glacée. Je regarde Petit Génie si ça veut bien faire net. J'ai jamais regardé. On va voir ce que ça donne. Bon là j'ai terminé une leçon en fiche. Donc voilà. Je m'arrête pour ce soir. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 22h30. Là je regarde Les Petits Génies à la télé. C'était juste pour avoir un petit truc en fond surtout. Et là je pense que j'ai un petit coup à Animal Crossing, parce que du coup j'ai pas pu vraiment bien jouer. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce vlog. Je vous fais de gros bisous et à demain.